Dès 1939, la course à l'armement nucléaire est lancée. L'URSS recrute alors Elisabeth Zarobin pour dérober aux États-Unis les plans de la première bombe atomique. Comment cette espionne russe a-t-elle réussi à voler les documents confidentiels de la bombe qui sera lancée sur Hiroshima? L'équipe d'Oppenheimer aurait-elle accepté de partager sa découverte? Deux bombes pour une espionne sur Planète Plus.